Et salut à tous les frérots, salut à tous les gens, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. On se retrouve dans cette vidéo pour aller tester le nouveau Metal Cooler Free to Play, le nouveau personnage gratuit. Je trouve son artwork vraiment super stylé avec le Goku en fond qui est vraiment très joli. On va aller le jouer les gars, c'est un showcase assez atypique parce que j'ai décidé de le jouer dans deux teams différentes. Oui, parce que je pense pas ressortir de showcase de ce personnage, donc autant le faire une fois, comme ça le showcase est sorti et je vais vous le jouer dans deux teams différentes. Les deux teams en question déjà seront... régénération et ennemis puissants. Vous allez voir des ennemis puissants, une team ennemi puissant un peu en mode blue blue purple qui va être vachement stylé. Je l'ai pas encore monté cette étoile parce qu'il faut faire un niveau, je l'ai pas encore fait, donc voilà, le personnage il est 6 étoiles à l'heure actuelle. Je crois qu'on peut peut-être l'avoir un petit peu plus du style 7 et si tu farmes beaucoup genre 8. Mais en vérité, voilà, je vais déjà aller le tester à 6 étoiles, c'est déjà plutôt pas mal. On va jouer dans cette team-là, on va jouer pas forcément les 3 duos parce que tout le monde se cap Z. Donc c'est pas en bas, ce n'est pas uniquement des Kamsenkai, ça peut être des personnages que tu peux jouer. Notamment si en face, tu vois qu'il n'y a pas de personnage vert, tu peux très bien partir genre double bleu avec couleur Zenkai plus le couleur Metal Cooler. Ça peut être intéressant. Et au niveau de la régénération, les gars, je sais pas exactement où elle est ici parce que oui, vous l'oubliez peut-être, mais Metal Cooler est régénération. Et l'intérêt par contre qu'il a d'être bleu en régénération... C'est qu'en régénération, bah, des personnages bleus extrêmement broken, il n'y en a pas des masses. Des persos bleus en régénération blast, il n'y en a pas 50. Il y a Kid Buu notamment, mais je rappelle que Kid Buu, il faut l'avoir étoilé. Et c'est pas facile d'avoir étoilé Kid Buu parce qu'il revient pas tant que ça. Moi, je l'ai 7, je crois que je l'ai 7 étoiles Kid Buu. Donc je me dis qu'un Metal Cooler 14 étoiles pourrait être une très bonne aide à ma team régénération. Qui en plus de ça, j'adore la Regen Blast. Parce que la Regen Blast avec mon Buan 10 étoiles, avec Piccolo Legendre qui donne beaucoup de pivot, j'aime beaucoup la team, ça cogne très fort. Donc on va jouer dans les deux. Je pense que celle-là va être plus opti en termes de. Pas de dégâts, mais en termes de. Voilà, c'est une team qui t'as quand même beaucoup plus d'assises. Et celle-là où t'as quand même plus de dégâts. Voilà, tout simplement. Au niveau du personnage en lui-même, il va falloir le jouer avec les spé. Je rappelle, son main donne une spé qui va être boostée derrière. Ça lui donne également la vitesse de pioche pendant 30 secondes. Sachant qu'il a déjà la vitesse de pioche de base. Et vous allez voir ce qui est hyper intéressant. Bon, réduction de temps des alliés, c'est hyper intéressant. Mais ce qui va être super fort avec le personnage, les gars. C'est son gain de ki. Oui, parce que quand tu as de la vitesse de pioche constante, et quand. Enfin, pendant 10 secondes, et que tu as du gain de ki. C'est hyper intéressant parce que tu vois, ça va te permettre de combo vraiment longtemps. Et si jamais en plus ça, ta vitesse de push plus 2, tu vas combo très longtemps. Genre, donc c'est vraiment impressionnant. L'aspect, le problème c'est que tu as des grosses augmentations de spé, mais le problème c'est qu'elle en est élevée. Donc ça, c'est un peu embêtant. Ça aurait été vraiment, vraiment très sympa qu'elle soit en dégâts colossaux. Sachant qu'en plus, c'est pas une spé. Vu que c'est pas une spé beam à longue distance, ça va pas être une spé qui va pouvoir sniper. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir le tuer en mode, tu vois, si tu mets une blast, voilà, faut que tu ailles l'attraper au corps à corps. Donc c'est moins facile de surprendre l'adversaire comme ça. Et la carte verte qui donne, c'est très intéressant, qui donne du ki, qui donne deux cartes, augmentation de dégâts de spé. Donc ça, c'est une carte verte très forte parce que tu regagnes du ki. Donc il a beaucoup de générations de cartes le personnage. Je trouve son kit assez intéressant en vérité, avec des stats qui sont plutôt corrects en plus de ça. Donc on va commencer avec la LOE, les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et c'est parti pour tester ce Metal Cooler gratuit. Let's go. Bon les gars, c'est parfait. Je voulais croiser une team optimisée pour ce showcase parce que bon, on reset de saison PVP. C'est toujours le truc un peu compliqué. Croiser des teams qui tiennent la route pour que le showcase ait un sens, mais en même temps que ça soit pas des mecs qui lag. Voilà, c'est pas facile les showcases de reset de saison PVP. En tout cas, c'est toujours la question en face de se dire est-ce qu'on prend double violet ou double bleu vis-à-vis de notre team. Ici, clairement, sans débat, c'est double violet. Bien, vraiment, il n'y a pas de débat autre, on est obligé de prendre ça. Bon, on va pas se mentir, les gars, ça me paraît tout de même impossible en soi que. Le personnage soit... Enfin, optimise la team LOE, mais au moins, ça peut être intéressant. Bon, quel l'aspect qui n'a pas le boost, je rappelle, du main. Pardon, excuse-moi. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Alors là, on l'a déchiré. C'est-à-dire que là, j'avais main, je l'avais one-shot. C'est ce qu'il faut comprendre. Vous avez vu la team en face vous... Wow. Ok, je... Bon... là on va... Ouais, là on va blast spé ici. Parce que je rappelle qu'ici, il est lock, il peut plus bouger, il peut rien faire. Et je... Bon, je pense pas qu'il soit mort, mais en tout cas, il va prendre très cher. Là il est mort par contre. Là il est mort ici, là ce qu'on... on va tenter un truc les gars, c'est qu'on va être Metal Cooler into main. Perfect. Ok. De toute façon les boosts de la spé les gars, c'est sur la prochaine spé utilisée. Donc sur le principe, c'est pas très... Pardon ? Attends, quoi ? Il m'a pas attrapé de la game ? Mais attends, comment tu peux me RR sachant qu'il m'a pas touché de la game ? Alors là, je ne comprends pas. Vraiment, c'est... Le ref, il m'a fait un combo. C'est moi, je lui ai miné sa team. C'est lui qui est là avant moi.
Ok, je... D'accord, c'est un fait. C'est intéressant. Je... Ok, bon, en tout cas, ici, les gars, on a vitesse de pioche plus 3. Alors là, vitesse de pioche plus 3, bon, c'est qui... le Trunks va nous enlever du ki, mais là, ce qui va être fort, fort, fort de ouf. Ok. La carte verte ici qui va nous rendre du ki, qui va nous rendre des cartes. Donc, vous voyez, niveau mécanique, c'est sympa. Hein. Le gain de ki est très, très appréciable, par contre. Hein. C'est juste que, bah, au bout d'un moment, tu ne l'as plus, mais bon, en même temps... Est-ce que ce serait pas un peu broken si tu l'avais tout le temps, ce gain de ki? On va mettre l'aspect, ça nous permet de... Ah, on a un anti-soin, je rappelle, hein. L'anti-soin, il est à quelle hauteur, l'anti-soin? Parce que s'il le met un PV... Ça, c'est fort, hein. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant pour le coup, parce que... Ici, bon, Mecha Freezer va être super fort, parce que vous voyez, regardez la tankiness de Mecha Freezer. Regardez ça. Il est 6 étoiles, perso, hein. C'est... Oh, bordel. Sachant que là, il va le soigner, hein, je rappelle juste. Au passage. Oh mon dieu. Théma, mais c'est quoi ce perso là? Donc là voilà, et regardez le soin que j'ai derrière. Hein. J'ai des équipements régénération de force, donc on va en bénéficier. Et voilà, le soin ici. Merci d'être passé. Et on va terminer avec l'aspect de... j'ai fait quoi là? J'ai fait une dinguerie là. Non, dis-moi pas, j'ai fait une dinguerie s'il te plaît le jeu. Dis-moi pas, genre il meurt pas. Et oui, il meurt pas du tout. Genre il meurt pas du tout quoi, c'est terrible. C'est bon, par contre c'est vrai que ça fait énormément de spé. J'ai fait une dinguerie là, je voulais terminer en mode stylé parce que sa spé est plutôt belle. Bon, le problème c'est que, en fait l'aspé est recyclé en soi, mais c'est vraiment une belle spé par contre de base. Et pour le coup, genre on la voit jamais, donc c'est plutôt intéressant. Bon, première game qui est passé, bien passé, faut voir. Bon les gars, c'est le genre de match-up où là tu peux tenter de te dire... Ah, le double bleu est intéressant, mais au final, non, il ne l'est pas parce que une fois que le tag aura tag, et ben vos double bleus vont prendre très cher, alors vos violets prendront moins cher. Donc c'est pour ça que là, et ben, je suis obligé de partir sur exactement le même match-up. Je vais prendre exactement la même chose et on verra pas le double couleur. Mais c'est pas très grave parce que je sais que vous allez bien voir les pivots et tout, mais là ça aurait pas de sens. Je vais pas mettre de dégâts à C18 qui est quand même un bon personnage, C18EX, et le tag va me détruire, donc bon. Ok, bon. On commence bien, déjà ça c'est très intéressant, on va break ici. Voilà, on s'en doutait ici, elle est là pour ça, je rappelle, c'est un personnage de type défense. Par contre il a bien joué ici, c'est que... Il a... Alors moi je serais lui, j'aurais peut-être laissé, mais ok. Ok, ce qui est bien c'est que tous les persos de la team ont de la vitesse de pioche, ça c'est intéressant. Hein. On va pas main tout de suite. Est-ce qu'il y a une spé? Ok. Clash absolument désastreux! On a fait un clash désastreux, c'est pas très grave. Bon, c'est le revive qui nous attrape. D'ailleurs, ce qui est... Bah voilà, si vous voyez déjà, c'est que le fait de pas avoir de revive, bah, vous avez quand même moins d'assises sur votre team. Hein. C'est clair et net. On va prendre une verte là, non? On était pas loin. Ok, l'aspect ici. On aurait pu Rising Rush ici. Hein. On aurait dû Rising Rush. C'est même pas qu'on aurait pu, c'est qu'on aurait dû. Ok, bon bah malheureusement là c'est lui qui part là-dessus, c'est le sel qui part là-dessus. Ce qu'on va faire nous derrière, c'est qu'on va lâcher l'aspect. Alors attends, non, on va pas lâcher l'aspect. Je voulais lâcher l'aspect pour en mode s'il fait une blast, voilà, mais le problème c'est qu'il faut pas oublier, c'est qu'il a une carte verte en main. Là il l'a pas utilisé avec le tag. Donc vu qu'il a la carte verte en main, faut faire très attention. Genre faut faire vraiment très attention parce que nous on va main, on va avoir le point d'exclamation, on va mettre l'aspect et ça aura servi à rien. Par contre c'est sûr que si on l'attrape celle, on va lui faire très mal. Après par contre c'est intéressant. Ah j'ai le démon. Ok, on arrive quand même à lui KO l'aspect. Le problème c'est qu'on a plus les boosts qu'on avait tout à l'heure. Les boosts du main notamment on les a plus. Et on lui a fait genre vraiment mal par contre. Ça c'est indiscutablement. Des bons dégâts. J'ai pensé que allez, bâtard. Ok, j'ai pensé que le frérot il allait attaquer après. Bon, c'est pas grave. Si on a un perso à perdre ici, ce serait plus Freezer LF. Je pense qu'on a encore le main de Mecha Freezer et le but du showcase, ce serait de vous montrer méta couleur. Mais bon. Il va prendre ce qui va me Rising Rush, hein, c'est ça le problème. Ok, est-ce qu'on n'aurait pas le kill ici? Ça serait ultra vénère si on l'avait. Par contre, c'est banger ça. Ça, c'est banger de ouf. Ok. Parfait, on a eu le lock qu'on voulait, on n'a pas pris de risque avec Metal Cooler, il n'y avait pas besoin ici. Bon là le problème c'est que c'est C18 qui va prendre ça. Hein. C18
C'est C18 ici qui va prendre ça. Oh là là, les... Ouf. Oh, les dégâts. Les dégâts de Zinzin. Non, dommage. On aurait failli l'attraper ici. Ok. C'est... La game se passe vraiment parfaitement. La game se passe genre vraiment parfaitement. On va tenter le kill ici avant que celle revienne, parce que celle revient assez vite. Donc voilà, une fois qu'on a pris le kill ici, on peut s'en sortir. Un métacouleur ne perdra pas face à celle. Et on aura fait déjà le tour de... Ouais, c'est bon. Et on aura fait le tour de cette LOE. Voilà. Parfait. Bon, vous avez vu, on s'est sorti face à une très belle team. Passons maintenant à la version régénération, qui est, je pense, plus énervée encore en termes de dégâts. Bon, bah au moins, voilà, là, il n'y aura pas d'excuses, il n'y aura pas de c'est une team moins intéressante ou pas. Végéto, 10 étoiles en face de nous, on verra, ça se trouve, c'est pas très grave si on perd la game. Peu importe, l'important c'est de vous montrer quand même aussi cette team-là peut bien tourner. Bon, c'est moins fort, hein, clairement, mais par contre, en termes de dégâts, ça risque d'être plus fort, je pense, parce qu'on a quand même les pivots de Pico Legendo qui sont complètement juste vénères. Et là, Buan, il va être drôle, hein, parce que Buan, 10 étoiles. Dans la team-là, je rappelle que la team Regen Blast a la chance d'avoir un équipement qui donne des dégâts d'énergie, pas seulement de l'attaque d'énergie. Ça change tout jusqu'à 21%, je crois, donc ça fait quasiment... un pivot supplémentaire constant. De ce que j'ai pu en tester pour l'instant, les gars, c'est, on le voit clairement, c'est que c'est pas le perso qui fait tourner la team à lui tout seul. C'est-à-dire qu'en mode, il fait tourner la team, mais je veux dire, c'est pas l'élément central. C'est ça que je veux dire. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas l'élément central. Par contre, il a réduit le temps à temps, donc ça, c'est hyper intéressant. Comme ça, derrière. Mais genre, là, il avait un bleu. Donc, vous voyez, votre Piccolo peut revenir hyper rapidement, genre. Ça, c'est intéressant. Ok, et ici, il a plutôt mal joué, on va pas se mentir. Il a mal joué. Faut dire les termes. Tente un truc ici. Alors là, j'ai hâte de voir. On a le boost du main, les gars. Ça va faire mal. Hein. On n'a pas le main de Pico actif, mais ça va faire mal. Hein. Ok, heureusement, on n'avait pas vert pour lui. Clairement, heureusement qu'on n'avait pas vert. Hein, parce que là, il aurait été vraiment pas bien. Hein. On va tenter de la placer, l'aspect, les gars. Vous inquiétez pas. Enfin, on va tenter. Hein. J'ai pas dit qu'on allait la placer. On va essayer. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin, il nous a offert ce pas de côté qui est juste sublime. D'ailleurs, on met Buan ici. Bon, là, on a toutes nos blases, donc là, c'est juste n'importe quoi. On tentera le stun enfin. Voilà. Fin de combo, on tente le stun. S'il passe, on a gagné la game. Il passe pas. Il va verte. Non, je pensais qu'il allait verte. Ok, bon, là, c'est le moment où Goku 3 va être très fort parce qu'il va vraiment soigner de fou le perso. Donc ça, c'est hyper intéressant pour lui, et en plus de ça, bon, on peut pas vraiment l'arrêter. Le main ici. Ok, le soin prime avant tout, donc pourquoi pas, mais... moi, j'aurais au moins été chercher quelques cartes supplémentaires avant d'avoir main, peut-être. Bon, c'est une bonne chose pour nous, hein, parce que Piccolo, il a pour ça, hein, donc... Je l'avais attrapé, mais j'ai oublié. Putain, c'est tellement fort cette méca, en vrai. Ok, donc là, il risque de régénérer. Putain, c'est les mécaniques qui vont primer. Hein, c'est... Parfait, j'ai hésité à attaquer en plus. Heureusement, je l'ai pas fait. Ok, le kill est pris ici. On va tenter la blast. On va à Rising Rush. Ok, bon bah vous avez vu, Buan est juste stupide dans la team, hein. Par contre en termes de dégâts, Buan c'est juste un grand délire, il fait beaucoup trop mal le personnage. Et bah voilà, encore une fois, réduction de temps d'attente, les malus, la petite spé qui a pas tué Migaté. Mais encore une fois, je tiens à vous le rappeler, son Migaté était 6 étoiles, mon métacouleur était à 6 étoiles. On parle ici d'étoile équivalente, c'est-à-dire qu'on parle d'un LF à étoile équivalente avec un personnage gratuit. Imaginez quand ça sera 14 étoiles, on l'avait à 14 étoiles, on est tous d'accord pour dire qu'on l'avait one shot. Et très largement, et on n'avait pas fait de vert, donc on n'était pas au maximum de nos boosts, et en plus de ça, on était que 6 étoiles, donc bon. Et ça fait plaisir, quelqu'un qui joue le nouveau métal couleur, donc ça c'est grave cool. Et ben, exactement le même match-up, et comme ça on va voir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on sait très bien que métal couleur, les gars, à chaque carte, il détruit une carte. Enfin, chaque carte, carte d'art qui vous place, il vous détruit des cartes. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, tout simplement, je pense qu'on va clairement sentir la manière dont il peut être chiant en plus du malus qu'il veut nous mettre sur la tronche. Si je peux vous offrir un petit tips, ne faites pas comme lui, ne démarrez pas avec méta couleur parce que le perso, il réduit le temps d'attente. Donc là, vous en bénéficiez pas, c'est un peu stupide. Vous voyez, ouais, c'est fort. Hein. En vrai, c'est vrai que c'est fort là pour le coup. Donc là, il va.
Bon là ils sont en train de mettre la misère avec son... Bah c'est cool au moins on a le... Putain, la couleur alternative de Metacooler ça fait bizarre. Et ben... Oh là là mes persos. Ok. On est parti ici, Buantime. Et Buantime ça fait mal hein. Quand Buan il s'énerve, bah ça fait mal. Derrière en plus de ça, on a la carte verte ici. On va remettre une blast. C'est n'importe quoi. Donc là il va se soigner, hein. Détruire une carte, donc on pioche pas tout de suite. Voilà, parfait. Faut vraiment faire attention, sinon il nous détruit l'aspect qu'on a généré. Pas de stun, oh quel dommage. Bon, le soin de Golden Freezer. J'en parlerai dans mon livre un jour, promis. Le soin de ce personnage. Ok. Donc là, on a vitesse de pioche plus 2. Bon, normalement, on n'a pas pris de... Voilà, et on est face à Full Power Zenkai en cover. En cover. Voilà, c'est un des persos plus tanky du jeu. J'ai mal joué parce que j'avais Perfect Dodge, les gars. C'est juste que je m'attendais vraiment pas à Perfect Dodge. Heureusement que je l'ai dispel peut-être parce que là et qu'on ait une unification de type aussi hein, parce que là il a bien joué, il a anticipé notre switch. Ok. Parfait. C'est Golden Freezer qui nous pose de graves problèmes en fait parce qu'on lui met les dégâts mais il soigne. Et là ça va être fort. Là ça va être fort. Là voilà, parfait. On a la vitesse. Je pense qu'on a la vitesse du pioche plus 2 à ce moment-là d'ailleurs. On la break ici. Oh, on a encore une verte. Oh, bah ça, c'est masterclass par contre. Oh, comment c'est qu'on a déjà une verte? Oh là là, mais t'es mal le combo. Regarde, on a encore une verte derrière, je rappelle. La verte ici qui va nous rendre nos cartes, tout simplement. Enfin, deux cartes d'ailleurs. Non! Bon, en vrai, c'est pas grave. Lui, c'est un perso à perdre. Par contre, je le voyais vraiment pas Rising Rush ici. C'est pour ça que, bon, je m'y attendais pas trop. C'est la strike, malheureusement. Oh, ça fait vrai. La couleur alternative, bon au moins je vais la mettre cette game parce que quoi qu'il arrive, on voit les deux côtés, c'est-à-dire on voit la manière dont il a été chiant et la manière à notre côté où là on avait les vertes et tout, ça peut être hyper fort. D'ailleurs, le jouer avec un perso qui ramène des vertes, ça doit être n'importe quoi en termes de combo. Il a pas son main ou alors il le génère pas. Donc on a pas le Rising Rush ici. Là, il va nous faire un combo tard les fous. Faire très attention parce qu'on a. Ouais, ok. Rising Rush, c'est parfait. Là, il a, je pense sincèrement qu'il a grid un peu notre ami ici parce que, bon, j'espère qu'il nous contre pas. Hein. Mais il a grid parce que il aurait dû le laisser, je pense, son Golden Freezer. Mais bon. Bon, bah voilà, hein, c'était voilà ce qui devait arriver arriva. La fin de game ici, malheureusement, pour nous. Voilà, l'impact est trop élevé, je pense, ici, sauf si on l'attrape là, mais... Ça nous oblige à faire peut-être des moves qu'on n'aurait pas dû faire. Bon, en tout cas, on prend le kill ici. Ça c'est sympa, pardon. Ça, j'avoue, c'est sympa. Si on prend une fois, on est mort. Je pense qu'on est mort en vrai. Hein. Il a la double augmentation. Il a une augmentation, je veux dire. Ouais, on est mort. Non, on est pas mort. Ouf. Ça descend vite les points de vie, mais on n'est pas mort. Blast. Ok, on n'est pas mort ici. Vas-y, Buan, vas-y, mon ref. Vas-y, dis-moi, tu prends le kill là, s'il te plaît, Piccolo. Non! Ok, c'est bon! Wouh! Ça aurait été très dur avec le compte de Rising Rush, il aura fallu faire un espèce de petit exploit ici. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. C'est vraiment un personnage. Moi, je trouve trop intéressant. Vraiment, j'ai écouté un peu critiquer hier. Mais bon, le personnage, c'est un très bon personnage. C'est vraiment quelqu'un. C'est un des meilleurs personnages free to play du jeu actuellement. Il est largement meilleur que genre Majin Vegeta ou même des derniers qu'on peut avoir. C'est vraiment un bon personnage. Et qui va quand même pas mal s'intégrer en régénération. Je tiens à le dire quand même en effet. Mais par contre, la première type qu'on a joué, on a vu, c'est fort. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et me dire ce que vous en avez pensé. Allez, ciao.